Cet événement a rassemblé plus d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants principaux d'organisations internationales, de nombreux ministres des Affaires étrangères, sans oublier les organisations non gouvernementales du secteur privé et de la société civile. Gen moun ki mande sa nou tal chèche nan soumè sa, ou bien ki sa nou pote. Gen pil rezon ki fè yon peyi tankou Haïti dwe patisipe nan kadye de gwo renkont sa yo. Gen pil suje kap fèt e sou yo nou dwe genyen on dizon. Et ça cap discuter yo gen impact et conséquences pour tout pays a et pour compatriotes nou yo. Faut que sujet ça yo discuter dans pays nou en tout malgré difficulté que nous gagnons. Parce que gen trois problèmes spécifiques qui ka gen impact sur devenir nous toutes dans réunion ça yo. Kalte sommet ça yo c'est occasion pour dirigeants haïtiens profiter dans un même voyage yon seul côté rencontrer ak en pile l'autre pays que nous pas t'ap joine ni temps ni l'argent pour nous visiter yo pour nous parler ak président yo ak premier ministre gen plusieurs signaux qui montrent nous que toutes amis pays d'Haïti comprennent problème depuis nous sorti Jamaïque nous remarquer bon signal qui sorti dans EUA. Mais moi ka di tout nous gagne l'autre en pile signe qui montrer soutien robuste n'ap tande pour force de sécurité noire pas trop loin. Nos problèmes de sécurité mobilisent toute notre attention, absorbent toutes nos énergies et ne nous laissent peu ou pas de temps pour nous pencher sur les grandes questions dont on parle dans les forums internationaux ou régionaux et concerne l'avenir de notre pays et de notre jeunesse. Le sommet a permis un certain nombre d'engagements traduits dans le consensus de Paris pour les peuples et pour la planète. Je ne vais pas reprendre ici tout le contenu de ce document qui est disponible sur le site du sommet. J'attirerai cependant votre attention sur le fait que l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars devait être bientôt atteint. Il en est de même pour la réorganisation de 100 milliards de droits de tirage spéciaux, les fameux DTS.